Une sonnerie stridente, mes globes oculaires se découvrent tandis que le bout de mes doigts effleure. Cherche, trouve, appuie sur un interrupteur. La phase de repos est à présent terminée. Mon corps est mouillé moite, je dois le recharger. Une solution hydraulique me purifie. Je mélange le contenu d'un récipient avec le contenu d'un autre récipient. Ingère le tout, revêt ma protection de tissu. La ferme puis rejoins l'issue. Je vis dans les abords de la cosmopole. Avant que naisse un nouveau soleil, je dois pour l'y rejoindre pénétrer à l'intérieur d'un engin métallique qui, glissant sur des rails en acier, me transporte moi ainsi que quelques milliers de mes semblables vers notre secteur d'activité afin que soit pompée puis transformée une part de notre productivité. La zone à laquelle je suis affecté s'appelle le centre, immense structure divisée en compartiments à l'intérieur desquels des pompes nous absorbent. L'aiguille sur le cadran indique que je suis à présent autorisé à exercer ma fonction. Muni d'un rayon laser, j'enregistre puis me dois de vérifier que les transactions sont ok. Pendant 5 tours de cadran, je me retrouve déshumanisé face à mes semblables, chacun repartant avec une dose de mon énergie. Bonjour, merci, la transaction est ok. Bonjour, merci, la transaction est ok. Ma productivité décroît proportionnellement à ma perte d'énergie. C'est pourquoi l'espace d'un tour de cadran, il m'est permis de redevenir humain afin que je me régénère. J'évolue alors dans les allées du centre au beau milieu de mes congénères. Une règle implicite m'interdit de tenter toute communication avec eux si un contact antérieur n'a pas été établi. Grâce à ma fonction, je suis apte à m'approprier des sources de régénérescence, tandis qu'un déshumanisé constate que la transaction action est okay. Incapable de situer le début de la fin de ce cercle, je me dois de le suivre, sachant que si je m'en écarte, je suis passible de la sanction, soit la privation de ma liberté de mouvement pendant des millions, voire des milliards de tours de cadran, ce qui risque de provoquer mon dépérissement. Retour à ma pompe, 3 tours de cadran, transport en engin métallique, 1 tour de cadran, je vis aux alentours de la cosmopole. Une transaction me permet de vivre dans une boîte à l'espace réduit, collée à d'autres boîtes tout aussi réduites. Elle forme de hautes structures nous protégeant des aléas du monde extérieur. J'aimerais évoluer dans une boîte beaucoup plus grande, située dans un meilleur secteur, mais je sais que la transaction ne serait pas okay. Il est possible de s'associer avec l'un de ses semblables, voire de partager une boîte et même de mélanger nos enveloppes corporelles. C'est possible, mais difficile. Il faut d'abord user de la communication et souvent devoir s'acquitter de beaucoup de transactions okay. Heureusement, dans ma boîte, il y a le cube. Le cube m'aide à penser, le cube m'aide à choisir les bonnes transactions okay. Le cube parvient à me projeter dans d'autres réalités. Le cube occupe les tours de cadran où je ne suis pas déshumanisé. Lorsque j'insère la bonne disquette dans le lecteur, il apparaît sur le cube, certains de mes semblables mélangeant leurs enveloppes corporelles. Le cube me permet d'imaginer que je suis à leur place, et soudain le cadran n'est plus mon ennemi. J'évacue mes frustrations. Je ne peux briser le cercle, enfermé dans ma boîte. Ma main en contient un autre, de son ouverture s'écoule du liquide qu'une fois absorbé parvient à me projeter dans une autre réalité encore mieux que celle du cube. À chaque nouveau soleil, mon corps souffre et en réclame, mais bizarrement, peu à peu, mon énergie s'amenuise. D'une des ouvertures de ma boîte, j'aperçois dans le ciel ces engins prestigieux capables de soulever des centaines d'enveloppes corporelles pour les acheminer vers des secteurs propices à leur épanouissement. J'aimerais faire partie du voyage, mais je sais que pour le secteur que je désire, la transaction ne serait pas okay. Je suis programmé, 5 nouveaux soleils, soit 5 fois 8 tours de cadran où je me dois de vérifier que les transactions sont ok. 2 nouveaux soleils, soit 96 tours de cadran où je peux, quand je veux, regarder le cube ingérer du liquide à meilleure réalité. Je suis programmé.